Élodie Gosselin, Par amour elle pourrait pardonner, l'infidélité de Bertrand. Élodie Gosselin et son mari, Bertrand Lachery, ont célébré leur 11e année de mariage. Et il se pourrait bien que cela fasse beaucoup réfléchir l'ancienne Miss France, puisqu'elle déclarait à la rentrée qu'elle pourrait tromper son cher et tendre avec Angelina Jolie ou Fauve Toyndash, tant qu'à faire. Où Élodie Gosselin bluffe les internautes avec ses abdos. C'est à Téléstar dans une interview sur l'amour, qu'elle raconte qu'elle pourrait tout à fait partir vivre au bout du monde, si son mari le lui demandait, déménager, ou même cacher le corps de quelqu'un qui l'aurait assassiné. Effectivement, elle aime, son Bertrand. Mais là où il y a eu grave, elle a le plus surpris, c'est sur la question de l'infidélité. Élodie Gosselin a refusé les avances de Leonardo DiCaprio, qui lui a donné le numéro de sa chambre. Je crois que je pourrais accepter son infidélité car par amour fou, je pourrais le concevoir pour ne pas le perdre, avoue-t-elle à Téléstar, mon amour pour lui est absolu. Mais qu'on se rassure, ce ne sont que des spéculations, et tout va bien entre les tourtereaux. Tellement bien qu'elle aimerait avoir encore d'autres enfants Ndash, ils en ont déjà 4 Ndash, ce qui tombe bien parce que monsieur, est comblé d'être un papa au foyer. La vie est bien faite. Point.